Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur un Kidibonné. Kidibonné que je fais pas dans un but particulier pour le jouer ou autre, mais juste parce que c'est un item que j'ai souvent aimé FM et j'avais envie d'en faire un pour le plaisir, pour marquer un petit peu mon retour sur la Forge Magie. Donc, le PA vient de tomber, on a 96 depuis. La chance et la vita ne sont pas terribles, terribles. Que faire? Je vais commencer par la chance qui passe, moins 10. Alors je peux l'enlever, je pourrais l'enlever à la rune Prosp. Le truc c'est que si je fais ça, je récupérerai pas les 3 depuis que je mets dedans. En revanche, si je l'enlève avec une autre rune qui pèse 3, là je pourrais les récupérer ensuite. Donc ce sera probablement mieux. Je pourrais aussi mettre une rune Sagesse, mais ça a tellement peu de chances de passer que c'est quasiment sûr que c'est du gâchis depuis. Donc on va mettre une Painée, je pense, ou un truc comme ça. Hop. Voilà, là si ça avait fait un succès neutre, en fait, j'économisais 3 de puits, quoi, donc c'était un peu mieux. Bon, c'est du détail, mais c'est comme ça qu'on optimise des FM, hein, évidemment. Moins 10. On va mettre une petite 13 neutre. Puisque j'ai l'appui, j'aurais aimé avoir un de puits en moins, ça m'aurait permis de récupérer dessus. Bon, moins un vita du GPR, c'est correct. Allez, c'est parti. Les petits dos. Ok, ça passe plutôt bien. Donc là, j'ai moins 8. Et bah, on est plutôt clean en vrai, hein. Moins 6. 62 depuis. Je ne peux rien faire des deux depuis que j'ai en rab. Donc, c'est parti. 10 repères haut. Bon, ça nous fait un item sympa. Allez, 1. 2. Bon, je pense avoir le 3% quasi assuré. 3. Pas de quatrième, non. Bon, c'est déjà un 3% sympa, quoi. Hein. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, on continue. 99 de puits sur ce petit PA qui est tombé sur une passa qui n'est pas passée, malheureusement. Là, on va devoir commencer par le Vervita, on n'a pas vraiment le choix. Ok, moins 20, ça aurait pu être vraiment pire. Je pense que je vais balancer une esquive PM. Je pourrais mettre la rune Pod. Je pense que je vais faire ça. Parce que la rune Pod peut me permettre d'aller chercher le perf. Voilà, là j'ai moins 13. Et si je fais les choses bien. C'est pas mal. Et voilà les amis. Et toujours tryhard le perf, parce qu'en plus là j'ai le 37 de sagesse, donc je suis congru à 40. Et évidemment c'est magnifique. Hein. La strat les amis, la strat, il faut anticiper, il faut voir plus loin que ce qu'on est en train de faire dans la Forge Magie. C'est la base, hein, évidemment. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, je pense, le petit over chance, moins 10, tac. Alors à chaque fois j'ai ma puissance qui est maxée, c'est pas ouf. Ça m'empêche d'aller chercher le petit reste. Allez. Là, voilà, j'appréhendais un petit peu le passage de la passa, mais ça a été moins capricieux que ce que je pensais. Donc c'est plutôt cool. Bah, il me reste plus que l'esquive PM et on est bon. Hein. Évidemment, le petit crit pour m'encourager. 53 depuis. Si je pouvais avoir un de plus, ça me ferait gagner une tenta. Je crois que j'ai pas d'autre option que de tenter un crit. On va tenter un crit aligné. On me dit dans le chat, t'as pas un de puits avec les 4 de Vita et la pod. Et ça, c'est tout à fait le genre de remarque pertinente du chat que j'encourage et que j'apprécie. Je crois qu'effectivement, j'ai un de puits de plus avec ce petit résidu. Là, j'ai 0,8 et effectivement, normalement, là, j'ai 0,5. Donc, je pense que j'ai effectivement les 54. Et ben, merci. Merci à Zeratools, évidemment le héros de la soirée, pour cette remarque. Donc je crois qu'effectivement on est good, on a 9 tentas. La FM en live les amis, c'est tellement, tellement opti. Ce travail collaboratif de qualité évidemment. Ah, attends, faut dire que j'ai le meilleur chat de Twitch, hein, donc forcément j'ai que des experts, hein, c'est incroyable. Bon, bah du coup 4%, hein, 4% perf, hein, let's go. Hein. Alors, je voyais plus 4, mais bon, 2 c'est. Franchement, sur un GPR, c'est déjà bien 2. Ça fait un bel item, mais pas de PA évidemment. Allez, on continue. 91 depuis.
Bon, on a 38 de sagesse, on va être bloqué, malheureusement. Le G est pas incroyable ici. Hein. Bon, allez, on est parti. Over Vita, bon, ça passe plutôt bien. Faut que je récupère ça avec une rune qui pèse 3, que je n'ai pas. Je vais mettre une rune puits. Voilà, et une rune ini. En espérant ne pas avoir de moins 6, non, ça se passe bien. La rachat. Alors, j'ai une sauvegarde de serveur, évidemment. On me suggère plutôt Pacha. Moi, j'aurais dit rachat. Allez, je vais écouter évidemment nos fidèles conseillers du chat. Sans qui je ne serais rien. Oh là là, quel niveau. Peut-être qu'on vient de me sauver ma soirée, là. J'ai vraiment un chat qualitatif incroyable. Donc, moins 2. Moi, j'aurais mis rachat, hein, franchement, de mon côté. Moins 1. Ok. Je vais commencer par la pataque. Allez, j'allais dire, je suis sûr que ça va crit. C'est vrai que le petit Disney en plus, ça appelle le crit. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir décortiquer un jour, mais pourquoi quand il y a un mini exo tout pourri de 1 de pluie, les crits passent mieux. Ça, faudra m'expliquer. Hein. C'est vraiment... Bon. Oui, c'est vrai que du coup, en partant sur une pacha, j'aurais dû la mettre quand j'avais l'over vita, ça c'est évident, mais bon. Eh, hein. Et le crit, mais je vous ai dit, c'est bon, j'ai un Disney d'exo, je vais crit, mais toutes mes runes en fait, hein, on est parti sur un exo 16% raise. Hein. Allez, voilà, c'est le karma qui me remet à ma place, évidemment. Bon, bah c'est mérité. Hein. J'ai plus 0, hein, j'ai moins 3. 2, 3, 4, 5. J'ai moins 20. Bon, ça m'apprendra à trop parler pendant que je vais FM, évidemment. Moins 12. Moins 5. 38 de puits. Bon, bah on est parti, hein, si tant a. Ok. Ça part en PO si on a le PA, mais on n'a pas le PA. 90 de puits ici. Bon, de la sagesse qui sera pas perf, hein, donc on va faire avec. Mais on va essayer de faire au mieux tout de même. Alors, bon, bah, petit over. Tac, ça passe. J'ai 10 à récup. Là, enfin, j'ai de la puissance pour aller les chercher. Mais c'est pas possible. j'ai pas le droit de récupérer mon 10 d'over sur de la puissance, en fait. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, les amis, je me fais karma, en fait. C'est bon, bah, rude rien neutre, hein, mais... Là, c'est un peu de l'abus, hein. Et évidemment, moins 11. Bah, hey, s'il faut pas que je joue à Defus, dites-le moi, hein, je ferme le jeu, je fais autre chose, hein, y a aucun souci, hein. Oh là là, c'est pas vrai, ça. Bon. Bah, Pacha. La Racha, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Ça, c'est abusé, ce que je me suis pris, là. Bon, moins 23. Évidemment, encore la Reine du coup, alors que j'aurais meilleur de la puissance à mettre. Et la Passa qui crit. Et non. Moins 7. Le petit tacle. Bon. On s'en sort pas trop mal. 46. Si je pouvais avoir deux. Si je pouvais avoir deux en rab. Par exemple, si la Reynote était passée à tout hasard, hein, j'aurais une tentative de plus. Bon. On va tenter le crit, hein. Je pense pas m'être planté, et j'étais remonté jusqu'ici dans le puits résiduel. Donc là, on est quasi sûr qu'on est à zéro, je vois pas comment je pourrais avoir deux puits en rab. Donc on est parti sur un crit, non. Bon bah tant pis. Ça nous en fait donc 7. Bon, 2%, ça doit partir en PO si on a le PA. On n'a pas le PA, on continue. 96 depuis. Le PA qui tombe, encore la sagesse à 38, un peu dommage, mais on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Bah la ravie, hein, comme d'hab. Hop, boum, moins 20. 14 depuis à récup. Alors malheureusement, je pourrais pas aller chercher les 400 à la rune pod, hein, j'en aurai un de trop. Donc on va y aller la pacha, je pense, c'est pas mal. Bon, on s'en sort bien, hein, on pouvait pas vraiment espérer mieux que ça.
Ça fait une belle tenta en vrai là, non? No joke. Enfin, pas sur les G perf, mais sur le nombre de runes qu'on va pouvoir potentiellement mettre derrière. Ça m'a l'air pas dégueu du tout, hein. Moins 8, 62, bah en vrai, 10 tenta, c'est cool. C'est plutôt pas moche. Ok, 2. Bon, 2. Bon, bah, si ça passe là-dessus, on mettra un PO. Ça ne passe pas. 97 depuis, en gradant une incertitude sur la ligne ici, j'ai mis plus 1 parce que je sais pas à quoi c'est tombé, j'ai un peu la flemme d'aller chercher dans le. Je pourrais regarder mon enregistrement et mon direct avec du retour pour voir, mais bon, bref. S'il y en a dans le chat là qui sont chauds, qui peuvent me dire c'est quelle rune qui a fait tomber l'esquive PM, j'ai mis plus 1 dans le doute. J'ai peut-être un peu plus depuis, bon, on verra. J'ai évidemment toujours les 36 de sagesse, les 38 pardon, de sagesse, ça ne change pas. Donc bah, c'est une déception qui est proposée, hein, franchement. Et bah, la déception qui continue, évidemment. Allez, moins 50, bah, on se régale, hein, c'est nickel. Pouh, ça pique. Hein. Ça picote. Moins 10. Je sens qu'on va pas aller très très loin sur cette tenta, malheureusement. Allez, c'est parti. On enchaîne les runes sans réfléchir. Des fois, c'est pas plus mal. Ok. Tac. Ah, si j'avais eu une part retrait PM, là, ça aurait peut-être été le moment de la caler. Pour, en mode, j'ai plus rien à perdre. Bon, bah, ça me va. Non, mais ça me va. Je prends. Donc, évidemment, 15 depuis, c'est nul. Bah, écoutez... Je pourrais tenter de crit une rune qui pèse 3 pour gagner une tenta. Bon. De toute façon, on n'aura rien, évidemment. Si j'ai le PA, je mets une res mêlée. J'ai le PA, évidemment, quand c'est 1%. Hein, ça ne surprendra personne. Res mêlée, voilà. Si ça crit là-dessus, par contre, ça me fait un très gros jet, hein, l'air de rien. C'est res mêlée, voilà. Ça pèse 15 de puits. Si on raisonne en termes de puits, c'est quand même 3,5%, même si ce raisonnement n'a pas vraiment de sens, mais... Bon, allez. Et non. Allez, on continue. 90 de puits. 38 de sagesse, hein. Évidemment, on commence à s'y habituer. Bon, ravi, hein. Moins 10. Alors. Il faut que je balance des runes qui pèsent 1 et que j'espère avoir un moins 6 qui sort. Et voilà, c'est tellement opti. Maintenant, il faut que j'espère avoir du moins 5. Et c'est parfait. Putain, pour une fois que ça se passe bien, c'est... Ouh. Ok, bon, ça commence pas trop mal. Le petit crit, évidemment. Alors là, par contre, je vais être un peu dans la sauce pour enlever... Ah oui, c'est, c'est compliqué, ça. Je vais y aller à l'attaque. Alors, en fait, là, j'ai 5 de chance... Et 30 d'ini, donc ça me fait, j'ai un over plus un exo qui pèse 8 au total. Donc si j'y vais à l'attaque, évidemment si ça ne crit pas, non mais je me fais troll là, c'est pas possible. Normalement je retombe sur mes pattes. Ah mais là c'est quoi ces machins bizarres? Pourquoi ça me fait moins 25 d'ini? Mais c'est pas possible. Non. Mais non. je me fais troll les amis, c'est pas vrai. Putain, j'aurais dû mettre de l'intel. Ah. Là je suis dans le néant là. Hein. Ce que je peux faire, j'ai qu'une option, c'est de mettre une paini pour enlever l'overchance. Voilà. Sinon j'étais dans la sauce, ça allait me prendre un peu dans les nids, un peu dans la chance, et ça allait être le merdier. Donc là on est good. Bah du coup je perds un peu de puits, mais c'est pas grave. Oh je me suis pris un truc là, c'était sorti de nulle part. Hein. Bon du coup j'ai. Là j'ai croisé. Comment on compte ça? J'ai 2. J'ai plus 4,5 et j'ai moins 4. Donc plus 0,5, d'où le plus reliquaire. Ok, on est good, là ça change pas. Et là j'ai moins 4 plus 0,5, donc 77. Pouh, ouais, c'était hyper bizarre, hein, franchement ça. Ça n'arrive pas tous les jours, mais faudrait que je pense à mettre plutôt des runes élémentaires que de l'initiative, parce que d'avoir des moins 5 d'initiative, je vous avouerai que ça me chauffe moyen. Bon. Moins 7, bon on a quand même une belle tenta malgré tout, est-ce que je peux avoir 2 depuis un rab? Je pense pas que j'en avais d'avant. Hein. On va essayer de crit à la rune Ré neutre.
Je vérifie que j'ai rien oublié. Ah. Bon, bah 11. 11 tentats, c'est très beau quand même. Bon, on a le, on a un perf moins de sagesse. Est-ce qu'on a un 4% qui sort? On va voir. On peut être en légitimité de l'espérer, on va dire. Moi, je pense que le 3% c'est bon quand même. Moi, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de parler pendant que je faisais ça. Ça me, c'est évidemment le karma, le karma, le karma. Est-ce qu'on a le PA? Pas de PA. Bon, bah le PA qui tombe direct après. Je vous avouerai que ça va être difficilement exploitable parce que j'ai mes lignes qui sont dégueulasses. Bon, toute la partie supérieure de l'item, on la retouche pas. Il va falloir que ça passe. Donc, bah let's go. Avec du crit éventuellement. Oui, bah moi ça me va, hein, ça je prends. Hein. Ok. Alors là, on a un peu moins de crit, hein, malheureusement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42. Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Moins 7. En vrai, je vais tenter la Pado. Ouais. Non, mais ça se tentait, pas de regret. Moins 15. Bon, j'ai 31 de plus, bah, on est parti, 5 tentats. Tous les coups, on va avoir plus que celle d'avant. Ça ne m'étonnerait même pas. Petit crit. Voilà, c'était évident, hein. c'était 100% call. Hein. 11 tentats, on a 2%. 5 tentats, on a 3%. Mais bien sûr, les amis, évidemment. Et pas de PA, et on continue, c'est parti. 95 de puits, Danta qui cette fois-ci va peut-être pouvoir donner un full perf, on a les 37 de sagesse, 370 de vita, ça a une bonne tête on va dire, on va commencer par la vita d'ailleurs. Moins 10, alors là tout va dépendre de ce qui se passe maintenant, allez, le petit tacle, un petit moins 20, ah moins 21, quel dommage les amis, moins 8. Ouais, là sinon c'était le perf mais malheureusement on n'y aura pas droit. Moins 12. Ah, ça m'attriste. Mais bon, pas de regret, hein, j'ai fait ce qu'il fallait. Ça fait mal un peu ça, non? Moins 36, aïe. Eh bien, ça ressemble à une tentative pourrie. Hein. Ouais. Moins 4. Bon, bah ça partait bien, mais c'est nul. 19 de puits, 3 tentats. Nul, 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 pas de PA. 95 de puits, bon, on a 38 de sagesse. Bon, ça nous évitera peut-être de perdre la moitié du puits sur la sagesse, on va essayer d'être positif. Alors en revanche, la vita, il y a une sale tête, là. Je vais devoir balancer 2 ravis, mais c'est vraiment moche, hein. Ok, ça aurait pu être pire, hein, franchement. Ok, donc là, j'ai 9 de puits à dégager. Je vais y aller à la Pacha, je pense. Parfaitement synchro. La stoichiométrie parfaite entre la chance et la vita, évidemment. Bah, c'est pas mal, hein. Allez, remettre les RSPM. Moins 7. On risque d'avoir pas mal de tentares là-dessus. Hein. Moins 4. Ah, dommage, si j'avais eu 2 de plus. Je pense pas avoir eu des puits de rab. Bah écoutez, on va tenter le succès, hein, à l'arrêt neutre. Le crit? Non. Bon, bah j'ai 10 tentares, franchement c'est pas mal. Hein. Ouais, je peux avoir plus qu'1% s'il vous plaît. Bon. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, on continue. 97 de puits, 36 de sagesse. Bon, on va faire avec. Je pourrais essayer de forcer la pavie. Ça peut être un plan. Je pense que je vais faire ça. Ok, ça me paraît pas déconnant. Et ensuite la ravie évidemment, moins 10. L'over. Ah, je suis con. Ah, il est tard là, hein. J'étais en train de dire que j'allais arrêter le stream.
J'aurais dû mettre la chance avant, évidemment, hein. C'était débile, parce que je récupérais les 3 sur la pavie. Ouh, il faut que j'aille me coucher, moi. Bon, moins 30, perdu un peu bêtement ici. Pas terrible, hein. Allez, on va mettre la petite pluie. Ok. Bon, allez, on s'en sort pas trop mal, j'ai l'impression. Ça pourrait être pire, hein. Franchement, j'ai récupéré au final le crit qui me met bien. Bon, j'ai rien perdu, mais sur le papier, ça aurait été mieux quand même de mettre la chance en premier. Moins 3. Bon, on se rattrape bien là, hein. Les runes passent. Ok. Moins 12. Moins 7. 26. Bon, 4 tentats. Sachant que la dernière fois j'en ai eu 10 et j'ai eu 1%. Peut-être qu'on va avoir 4%. Soyons positifs. Ouais, ça me paraît un peu compliqué là. Ah oui, d'accord, on est sur du 0%, très bien. Pas de PA, bon bah super. Hein. 98 depuis sur ce 38 CGS une fois de plus. Bah c'est parti. Ok, ça passe plutôt bien. Bon alors du coup là on va dans une optique de, bah, d'aller chercher les grosses un gros nombre de tentats. On pourra pas aller chercher du jet hyper propre. Mais on peut avoir quelque chose quand même de sympa au final. Je vais enlever ça. Comme ça. Mais c'est incroyable. Quand je vais enlever un over, plus rien ne passe quoi. Enfin, j'ai que des crits, pardon. Bref, bon, donc bah, on n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on fait de cette chance? Racha ou Pacha? Je vais Pacha, on va dire. Parce que la Racha, je pourrais même pas récupérer l'over, c'est pas opti. Voilà, j'ai bien fait, je pense. Donc, moins 6. Bon, je vais arrêter de mettre des runini. Je vais mettre des runinés, parce que ça m'énerve d'avoir des moins 5 depuis. Ça, c'est pas ouf. Hop. Moins 3. 79 depuis, ça fait un sacré truc. Hein. On me demande dans le chat pourquoi pas de pod pour le 13 Vita, parce que je tryhard pas le full perf Vita si j'ai pas le perf sagesse en fait. Ça veut dire que je serai pas dans un full perf de toute façon. Donc j'aime autant avoir le plaisir de balancer plein de runes raise et d'essayer de sortir un 4%. Si tu veux, les techniques d'aller chercher le G-perf à la rune pod, je les utilise vraiment quand je peux avoir le full perf avec la sagesse. Et là, comme je suis en 38 sagesse, je me dis, bah, on part sur du near perf, on fait du near perf. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je... Ah oui, j'ai oublié le pourcent crit, évidemment. Hop, moins 10. Donc, voilà. Voilà un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière. Donc, bah, 11 tenta. Moi, bon, je peux tenter une païnée. Si ça crit, j'en gagne une. Encore en tenter une. Ah oui, d'accord, donc là c'est le moment où j'ai plus de painé en fait. C'est pas possible. J'ai pas le droit de faire de la forge magie en fait, c'est ça le concept. Bon. Je reviens, je fusionne. Tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Alors, on disait donc, païné, si j'ai un crit. Bon, bah j'ai pas de crit, voilà. Donc là j'ai 11 tentats. C'est correct, hein. Allez. 1, 2, 3, peut-être un 4%. Si tu tentes à 4%, ce serait propre. On n'aura pas cette chance ce soir, mais bon, ça reste quand même plutôt propre. Plutôt clean, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA, dommage. 91 depuis, le PA est tombé à la paprosp, donc on est un peu triste évidemment. On a les 38 de sagesse, on va être bloqué. Donc Tanta qui est un peu bancal là, mais bon, on va faire, hein. C'est parti. Moins 20. Alors cette fois-ci j'ai de la puissance pour récupérer mon over. Mais décidément, je vais jamais pouvoir. Hein. C'est bon, très bien. Non mais il faut accepter. Hein. Faut accepter les amis. Hop.
La chance, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais mettre deux rachats. Pardon. Ok, donc on a moins 18. J'ai 6 à récup sur les repères. Et décidément, les crits là. Bah, je me plains pas hein, à la limite, mais bon. Ok. La patate. Moins 12. Petite esquive PM. Le crit. 41 de puits. J'ai compté vraiment que j'avais 0 ici. Je me suis pas tracassé. Je pense que je peux tenter les 7 runes. C'est la première tentative de ce soir. Donc on va le faire le mec ambitieux. On va en mettre 7. Et advienne que pourra. Hein, l'avenir le dira. Bah c'est parti. Et ça a passé, effectivement. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, on continue. 96 de puits sur ce PA qui tombe ici à la papuie. On a les 40 de sagesse, ça fait du bien, j'avais plus trop l'habitude. Alors on va commencer évidemment par l'Overvita qui passe. C'est potentiellement une grosse tenta qui se profile. Là, si j'ai le perf vie, oui, j'ai le perf vita. Alors, à la chance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la rachat? Si je vais à 56, est-ce que j'ai des moyens intéressants de récupérer les 6 de puits? Non, ça va faire un truc dégueu. Je vais y aller plus safe. Comme ça. Ah, ça picote. Moins 36. Ah non, c'était de la merde. Bon, tant pis. Bon, globalement, on aura quand même une belle réalisation, mais... Ça nous en fait combien? Bon, on a 6 tentas. Ça peut faire un 3%, hein, mais... J'avais peut-être un peu grid sur la chance. ~1% perf. Bon, c'est beau au moins, c'est joli. On met quoi là-dessus, les amis? On met un PO? PM, vous mettez, faut jamais de la vie, on met un PM sur un item à appui PA. Faut arrêter avec cette sorcellerie, là. On va mettre Resmele, les amis. Si j'ai un crit, j'ai un gros jet là. Ça se tentait. Allez, on continue. 94 de puits, le PA qui tombe. Bon, on a les 40 de sagesse. On peut aller chercher le perf vita pour éventuellement choper un full perf. Ça passe. Alors, il va nous falloir une rune innée. Il me faut un moins 6 là, absolument. Si j'ai moins 6, après à la rune pod, j'ai moins 13 et je tombe sur le 400 pile. Mais il va me falloir de la chance là, parce que si j'ai moins 5, je suis dans la sauce complète. Bah, c'est une sauce complète qui est proposée, les amis. Bah, c'est pas de chance. Hein. Je peux faire une pacha. Oh bah, évidemment. Bon, bah tant pis, on aura pas de regrets. Théoriquement, on peut toujours remettre des ravis et après, en jouant sur les congruences, essayer de tomber sur le GPF. Mais on n'a pas 2000 depuis, donc on va en rester là. Mais voilà, ça se tentait, j'ai pas de regrets. Ok, bon, bah après, ça passe plutôt tranquille, hein, les petits crits, évidemment. Moins 5. On a potentiellement un beau nombre de tentares, là, hein, qui va s'annoncer. Ok, du crit encore. Moins 12. Et écoutez, c'est joli, là. Hein. Moins 12. 55 de puits, bah c'est... Et franchement, ça peut me faire un truc assez clean, ça me fait 9 tentares. Je vérifie que j'ai rien oublié. Allez, c'est parti. 2, ça commence plutôt bien. Allez, un petit 3 au moins. 2%, bon. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Alors sur 2%, on va mettre un PO. Alors j'ai mis avant de la res parce que voilà, 1% PO c'est moche. 2% PO sur du G comme ça, ça commence à faire un bel item qui peut être intéressant pour du PVP. Donc le petit PO, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, on continue. 92 de puits, on a 38 de sagesse, donc on n'aura pas de perf. On va mettre la vita aussi propre que possible. On va plutôt partir dans l'idée d'avoir potentiellement pas mal de temps à res. Ok, pour une fois la puissance me troll pas. Bon, je pense que je vais y aller plutôt sur des pachas hein, pour la chance. Récemment les rachats ne m'ont pas beaucoup réussi. Donc moins 15, hop, bah là j'ai plus de puissance du coup, j'aurais bien aimé en avoir encore un petit peu. Ok, et bah franchement c'est pas mal, hein. Moins 10,
57 de puits. Bon, bah j'ai 3 de puits en rab. Je peux mettre une rune qui pèse 3. Allez, une painée. Si j'ai un crit, je gagne une tenta. Sinon, pas de regret. Ou je peux tenter une sagesse. Ouais, c'est peut-être mieux de tenter une sagesse, tiens. Ça aurait pu me faire un jet un peu mieux. Voilà, bon, c'est fait. Donc, 9 tentas. Allez, let's go. J'en ai tout, j'ai la flemme de cliquer. 1, 2, 3. 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA, on continue. 98 de puits, on a le perf sagesse, mais malheureusement, on n'aura pas le perf vita. Bon, l'overpass, potentiellement une grosse tenta qui se profile là. Oui. Donc, moins 4. La chance qui est congrue à 50, c'est nickel. Moins 15. On va mettre le tacle en premier. Hop. Je sentais qu'il allait crit, j'ai eu un petit coup de flair. Moins 10. Eh ben écoutez, 59 de puits. Alors, j'ai compté que là j'avais plus 1 avec la pourcent raise. Est-ce qu'on aurait la chance d'avoir encore du rab? Je n'y crois pas trop. Hein. J'ai compté jusqu'ici. Là on a moins 2 ici. Là on a plus 1. Ah, ça ressemble à du 0. Non, je pense qu'on n'a pas de résidu à mon avis. Non mais écoutez, on va tenter le crit à Lily. Hein. Si j'ai un crit là-dessus, on peut gagner une tenta. Non, ça se tentait. Bon, on pourrait encore continuer, mais je pense que c'est déjà bien. Donc on a 9 tentas. Bon, ça passe quand même. Ça passe, allez. 1. 2 quand même, non? Bon, ok. Bah, super. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Bon, bah, pas de chance, hein. 89 de puits là-dessus. Bon, on n'a pas beaucoup de puits, mais le jet est déjà très très haut, donc peut-être qu'on va s'en sortir. On va commencer par l'Overvita, qui passe, ouf. 79, alors là j'ai un gros over. Bon, toute la partie basse est déjà maxée. J'ai l'équivalent de 7 à virer. Alors je pourrais à la rune pod aller chercher le perf vita. Mais... je vais plutôt choisir la Pacha pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que j'aurais pas le perf sagesse, donc je préfère essayer d'avoir beaucoup de tentas. Essayer d'avoir beaucoup de tentas sur les raises. Ok, bon. Alors là par contre je suis un peu dans la sauce quand même. On va y aller comme ça, tant pis. C'est pas terrible, j'aurais bien aimé que ça me... Ouais non, c'est bizarre, j'ai eu du moins 16, moins 11 là. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. La chance qui passe, moins 3. Oui, petite passe à moins 16, 60 de puits, 10 tentas, voilà, c'est ce que je voulais, je savais que j'aurais pas d'une vita et une sagesse hyper propre, mais voilà, j'ai plein de tentas, c'est pour le plaisir, hein, on se régale. Bah oui, on se régale, hein, effectivement, on se régale vraiment beaucoup, hein. Ouais, bon, 2%, c'est pas ouf. On n'a pas le PA. 88 de puits là-dessus, on a le 40 sagesse. Tout va se jouer sur l'over vita évidemment. Et ça passe. Ok, ça c'est cool. Je pense qu'on va y aller à la rune innée. Hop. Et on a le full perf, les amis. Belle tenta full perf. Bah c'est parti. Là j'ai moins 2. Et moins 6. Ok. Moins 12. C'est pas moche, hein. Je dirais même que c'est presque beau, hein. Moins 12 à nouveau. On n'aura pas énormément de tentas, mais... ça peut donner un truc. Ouais, le petit crit, je prends, j'accepte. Moins 10. On a 6 tentas. Franchement, là, c'est la première de ce soir. C'est plutôt agréable. Allez, 1%. Bon.
Pas de PA. Bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave. 91 de puits ici, avec un petit doute, mais je pense que j'ai 91. La sagesse à 39, donc on va pas aller chercher le perf, on va plutôt viser les grosses tentas. La vita, et ça passe. Alors là, j'ai deux options. Enfin, j'ai trois options. Moins 10. Soit, le plus safe, je mets une pod, comme ça je suis à 399. Soit je mets une Pacha, comme ça je suis à 397 ou 396. Soit je gride le full perf et j'y vais à la rune innée en espérant avoir du moins 6. Le truc c'est que ça c'est le moins safe, enfin c'est ce qui peut potentiellement m'apporter le moins. Et de toute façon j'aurai pas du perf comme je suis en 39 sagesse, donc on va plutôt choisir de balancer des grosses tentas. Donc on va y aller à la Pacha. Juste pour le plaisir de pouvoir balancer un milliard de runes raises. Voilà. Donc comme ça, je me garde un max de puits pour avoir le plaisir de mettre un max de tenta, quoi. Ça reste très acceptable. Hein. Allez, c'est parti. Moins 18. Ça peut être très très beau là ce qu'on a. Hein. Le crit évidemment. Et le crit. Et les amis, 63. Alors là, faudrait que je mette une rune ça, mais comme j'ai un doute sur ce que j'avais avant, je vais pas tenter. Bon, quoique. Non, si je peux tenter, je pense. J'ai quasiment aucune chance d'avoir moins que ce que je pense, donc. Voilà, là j'ai moins 3, et donc là il me reste 10. Faut arrêter de faire le petit joueur, au bout d'un moment, on sait FM ou on sait pas FM. Hein. Bon. Bah c'est le 1%, je m'étais pas trompé. Et pas de PA, on continue. 92 de puits sur cette belle tenta à 40 sagesse. Bah c'est parti, la vita, ça passe. Ça passe bien la vita ce soir, décidément. Chaque fois j'ai mes ravis qui passent. Alors par contre 17, aïe aïe aïe, hein, la boulette. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a pas le choix, on va tryhard le perf là. J'ai dit quand j'ai 40 sagesse, je tryhard le perf. Donc écoutez, là on va spammer les runes inni. Hein. Enfin inné ou inni, ça marcherait aussi. Mais là il me faut du moins 6 à l'appel. Hein. Ok, bah écoutez, j'aurais tenté. Pas de regret. Ok. Bon, en vrai, je suis pas trop mal. Moins 3. Bon, j'aurais pas le full perf, je suis un peu déçu, mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai tenté. Par contre, on a une tenta qui est assez énorme à côté. Hein. Toujours, hein, quand vous avez un petit exo de 1, vous avez du crit qui sort sur les runes, alors ça, faudra quand même un peu m'expliquer un jour, mais... Tous les forges mages font ce constat, mais c'est... Ce n'est pas qu'une légende. Ah, dommage. Si j'avais eu 2 de puits en plus, je gagnais une tenta. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va essayer de crit à la res fixe. Hein. On y croit. On va essayer de pas mettre une répère neutre. Allez, le crit. Le crit. Le crit. Eh non. Bah, je peux pas aller au-delà parce que après, sinon ça me ferait du double exo et je perds des... Tant que je suis en dessous en exo du poids d'une rune pour 100, ça va parce que je la récupère direct. Et par contre, là, si j'essaie d'aller monter à 4 et neutre, ça me ferait 8 et donc ce serait plus opti parce que je pourrais plus tout récupérer d'un coup sur ma tenta. Donc, bah écoutez, ça me fait 11 tentas. C'est quand même plutôt pas mal. C'est propre, hein. On fait du propre ce soir. Allez, go. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Je récupère directement. Je convertis mon exo en fait. Alors par contre j'ai eu un succès sur 10 avant, là si je pouvais avoir plus que 2 sur 11, ah, c'est pas oufissime quand même. Hein. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA, bah, écoutez ça, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une tenta PO les amis. Hein. J'ai clean comme ça, allez, le PO on y croit. Envoyez-moi des bonnes ondes les amis. Dommage, pas de regret. Ça finira par passer un jour, hein, si j'entends chaque stream, j'entends 2, 3, 4, 5 comme ça. Un jour, j'aurai des gros trucs qui vont sortir, c'est évident statistiquement. Allez, on continue. 98 depuis, le PA qui tombe. Bon, la sagesse à 38, mais
des stats plutôt maxés sur le reste. Alors là, la Ravi qui va être délicate. Eh, elle passe vraiment bien mes Ravi ce soir. Hein. Ça, ça me met bien. J'ai 7 à retirer. Je vais y aller. Alors, je pourrais aller chercher le perf, hein, comme d'hab, en jouant sur les congruences à la pod et tout. Mais on n'a pas le full perf, donc on crit, hein, évidemment. On crit partout, c'est beaucoup plus simple. Que faire? Bon, allez, on va arrêter de faire le débile. Là, le jeu veut m'offrir un perf vita, on prend le perf vita, quoi. Allez, voilà, comme ça, je l'ai fait. C'est bon, je peux FM maintenant? Voilà, pour ceux qui voulaient voir les petites techniques, évidemment. Apprenez, les amis. Observez et apprenez. Alors, moins 18. La puissance qui va tomber plutôt bien. Et on a une belle tenta encore, là. 64. Bon. Alors, je peux soit essayer de gagner une tenta avec un cri très neutre, soit essayer de passer une sagesse. On va faire sagesse, plutôt. J'ai une tenta sagesse. Voilà. Et j'ai 10 tenta repère. Alors je trouve que, bon, ça passe pas beaucoup les PA, mais j'ai des belles tentas quand même ce soir. Je propose du beau jeu, comme on dit. 3% quand même, voilà. Le PA. Pas de PA, on continue. 99 depuis. Bon, sagesse non optimale, on va faire avec. On va commencer par l'over, qui passe encore. Et je crois que ce soir, je vais faire que des ravis qui passent à la première tenta. Bon, là, on va pas abuser, on va quand même mettre une rune pod hein, pour aller chercher le 400. Hop. Potentiellement une grosse tenta qui se profile. Beaucoup de réussite pour l'instant, des crits, des congruences parfaites. Ok, le tacle un peu plus capricieux. Moins 12, moins 7. Il me reste quoi? La papuie. Moins 6. 61 depuis. Bon, c'est propre. Hein. 10 tenta. Un crit, ok, j'ai gagné une tenta. 2%. Une tenta en rab. Le PA. Le PO. Le PO, c'est pas un truc de dopage de cycliste, ça? Bon. Est-ce qu'on a le PO là-dessus? On n'a pas le PO, on continue. La magnifique tenta full perf, les amis. Bon, le PA qui tombe à la pado, j'ai que 85, mais j'ai encore des... Regardez-moi la tête de ces premières lignes, là. On va arranger ça. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas de l'art, par hasard? Les petits crits. Est-ce que ce ne serait pas le 4% perf qu'on attend tous? Et c'est pas... Est-ce que ce n'est pas la tenta parfaite? J'ai une congruence parfaite, en plus. Regardez-moi ça. 66... non, pas 66. je me suis un petit peu emballé. Je reconnais. Je reconnais. 11 tenta, c'est déjà bien. Là, franchement, c'est propre. Hein. Le full perf, les amis. Allez, 1, 2... Oui, je veux 3. Je veux 3. Je veux full perf 3. Je veux un full perf 3. Je veux le full perf 3. 3, 3... Je pouvais pas te demander plus. Hein. Le PA... Le PA. Les amis, imaginez, j'ai un 2% full perf PO. Imaginez. Imaginez comment je suis refait. Et ce sera pas pour ce soir, malheureusement. Allez, on enchaîne. Alors, on fait une expérience sociale, les amis. Forge magique collaborative. J'ai demandé au chat sur quoi était tombé le pourcent crit. Ils m'ont tous dit do haut. Avec à peu près, voilà, majorité qui est d'accord avec ça. Donc, j'ai considéré que j'avais 95 depuis. Évidemment, si ça se passe mal, ce sera la faute du chat. Donc, 95 là-dessus, alors, je pense que je peux me permettre d'aller chercher le 349 à la pavie. On va voir si c'est une idée de pourri ou si ça passe, à peu près. Ça va, c'est correct. Si ça avait été un item capé à 350 vita, ça aurait été un peu chaud, mais là, comme c'est 400 max, ça passe encore bien. Donc, moins 12, et ça me permet d'aller chercher le 399. Faut toujours raisonner en congruence hein, quand vous êtes en train de gérer vos lignes. Et de choisir vos runes, hop. Allez, Pacha. Qui passe. Laracha. Moins 20.
moins 9. Allez, c'est parti. Aïe, aïe. Ouh, ça pique ça. Moins 28. Bon, bah écoutez, l'attentat potentiellement sympa vient de s'effondrer dans nos mains. Ça pique. Moins 5. Allez, on va y aller à l'appui. Tranquillement, tout en douceur. Moins 4. Et on a 3 depuis, les amis. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tant à sagesse. Bon, moi, j'avais effectivement... ça devait effectivement être une de haut ici, ou un truc dans le style. Et écoutez, on est sur une déception, là. Pas de PA. Bon, on continue. Petite tenta, pas incroyable, j'ai cliqué un peu vite, j'ai mis une ravie, j'aurais préféré avoir plus de flexibilité avec les pavis. Donc bah écoutez, let's go, on a 91. Allez, on va la faire un peu comme un bourrin, celle-là. Ah, moins 30. Je perds ma belle lancée où tout passait bien jusqu'ici. J'ai 8 à dégager, là. Voilà qui est fait. La sagesse qui crit. L'arrachat qui passe en crit également. Le crit qui ne passe pas. Moins 20. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Allez, on va y aller à la papuie. Moins 12. L'appui. Qui passe. Bon. 29. Je vais faire le mec ambitieux. J'ai pas pris beaucoup le temps de compter avant parce que l'attentat est dégueulasse, donc on va dire qu'on a 5 tentats. Et sinon, bah, advienne que pourra. Et on les avait effectivement. Le PA qui passe pas. Allez, on continue. 93 depuis. Bon, bah, c'est parti. La ravie qui passe. Toujours un bon feeling sur les ravis ce soir. Hein. La puissance qui est maxée, pas de chance. La rune ré neutre, ok. Allez, la pacha qui est congrue. J'ai moins 7. La passa qui passe, moins 9. Le crit. Crit, ça pique en général. Hein. Ça bouffe du puits des crits. Hein. Moins 5. Moins 7. 35 de puits. Est-ce que j'en avais un de rab avant? J'en doute très franchement. J'en doute très franchement. Je vais tenter le crit. Non. Bah, du coup, je vais mettre une rune sagesse. Et 5 tentats. Évidemment, là-dessus, on a du 3%, mais c'est évident, hein. Tout à l'heure, 11 tentats, on a 1%, là, 5 tentats, tout pourri, on a un 3% qui sort. Mais non, mais c'est la forge magie, les amis, c'est comme ça. Faut pas essayer de comprendre. Faut pas essayer de comprendre. Et on n'a pas le PA. 87 depuis. On a les 40 de sagesse, on va peut-être avoir le Père Vita. Peut-être une très belle tenta qui s'annonce. Allez, on va y aller à la puissance. Ah, moins 11, quel dommage. Ah, j'ai essayé, hein. L'item a été plus fort que moi, malheureusement, il s'est pas laissé faire. Bon, bah go. Moins 1. Ah. Alors, hier, je balançais mes rachats pour faire mes overchances et on m'a dit, t'es débile, vas-y à la pas, vas-y à la pas, vas-y à la pas. Bon, à partir de maintenant, ce sera de la rachat. Merci. Voilà, ça c'est dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah, moins 36, hein, les amis. Très clairement, ça fait mal. Non, mais ça sera de la rachat maintenant, y a pas de souci. De haut, allez, moins 4. À tous les coups, je vais avoir 3 tentares et je vais passer un 3%. On connaît. 30, allez, j'ai 5 piles. Dommage, on a quand même perdu pas mal. Hein. Allez, 1%, on n'a pas le PA. 99 de puits, 36 de sagesse. Bon, on va y aller tranquillement.
Moins 20 pour la Vita. L'over qui part, la petite Pacha qui passe, moins 5. Ok, le crit qui me rattrape un peu, moins 9. Bon, on n'est pas trop mal, esquive PM. Ah, ça me prend hyper cher à chaque fois, ça. Ça fait deux fois que j'ai un moins 28 là-dessus pour une rune. J'espère que j'aurai un peu plus de réussite sur le reste. Ok, là ça va. Allez, le tacle. Moins 4. Ok, j'ai effectivement de la réussite, hein, comme je l'ai demandé, c'est nickel. Moins 6. Bon, 21. 21, c'est quoi ça? C'est une rune ça. Et 3 repères. Oh, quel jet incroyable! Pas de PA. 97 de puits pour cette tentative incroyable. Les 40 sagesse, la chance perf, la Vita qui peut donner du 400, on va voir. Et l'over qui passe une fois de plus, mais ce soir c'est la fête des over Vita. Alors, il me faut que ma repair net me fasse moins 30. Oh là là. Quel dommage, les amis. Je me suis dit, c'est le moment où je vais sortir mon 4% perf, évidemment, que je mérite. Et non. J'ai failli mettre une repair feu, personne n'a vu. Ok, le crit. 80 de puits, les amis. C'est vraiment, par contre, une tenta énervée. Bon, bah, petite déception de Vita quand même, mais on va faire avec. Alors, bon, j'ai 2 de puits en rap, du coup. Je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Hein. Là, ça me fait 13 tenta. Techniquement, je peux balancer du succès neutre et espérer avoir 2 crits d'affilée. Mais, bah, allez. Pour le beau jeu, on va juste avoir le plaisir de mettre les 13 tenta et d'y aller là-dessus. Je crois qu'on va faire un fusionner tout et que je vais observer ce qui se passe. 1, 2, allez, 3 quand même, 3, abuse pas. Bon, bah, j'essayais d'arrêter mon stream, mais le PA, il arrête pas de tomber maintenant que j'ai fini. Regardez-moi ça. PA ici, PA ici, PA ici. Bon. Donc, 91, on a un truc un peu dégueulasse, du coup, bah, logique. Allez, on va y aller un peu en mode bourrin. Bah, écoutez, ça commence bien. Hop. La fête du crit, hein. Bah nickel, ça me va. Allez, moins 2. Moins 12. La repère. Moins 12. Moins 21. Moins 8. Ah, dommage pour le moins 8. J'ai peut-être du puits avant, on va mettre 5 tenta, de toute façon là, c'est bon, on arrête de réfléchir. Et 3%, les amis. La logique, il n'y a aucun sens, c'est pas possible. Est-ce que j'avais 2 en rab ou pas? J'ai commencé à compter à partir de là. Là j'avais moins 4. Oh, ça m'étonnerait quand même que j'ai du rab. Hein. Allez, on va mettre le PA. La logique, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique en fait. Je voulais juste éteindre mon stream en fait. Ça fait 3 jours que je suis sur l'item, là je veux éteindre mon stream. Je mets un peu de prospection pour remonter mon G à l'arrache. Je fais tomber le PA à la paperasse, puis il n'y a aucun sens, c'est dégueulasse. J'ai 3 PA qui tombent en 10 minutes, enfin en 10 secondes plutôt. Et évidemment, évidemment, le... Aucun sens. Bon, moins 1 vita, moins 1 sagesse, 3%, bon, c'est clean, on a eu des meilleurs tentas que ça. Ah, mais en plus, ça veut dire qu'il faut que je fasse la fin de ma vidéo, parce que ça va être dans la compilation. Putain, mais je voulais aller me coucher, en fait. Bon,
Donc fin de ce FM qui était, je le rappelle, pour le plaisir, c'est pas spécialement pour un stuff PVP ou pour m'en servir, c'est parce que je reprends les streams, je reprends les vidéos, j'avais envie de faire un item qui m'a fait plaisir par le passé, j'ai de très bons souvenirs là-dessus. Donc j'avais envie de me faire un kidibonnet pour 100 euros, bah écoutez, voilà qui est fait. Ça se finit de façon assez marrante au final, bah, tant mieux, ça me fera un titre marrant pour la vidéo. Et bah écoutez, on va faire beaucoup d'autres FM par la suite, donc restez bien là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.